Salut à tous, donc aujourd'hui je viens vous présenter My Little Box du mois de février, donc c'est My Little Cooking Box. Tout d'abord, avant de vous présenter la box, j'aimerais revenir sur des commentaires qui ont été faits durant les dernières vidéos sur My Little Box, qui me disaient que pour elle, ces personnes trouvaient que 15,50€ c'était beaucoup trop cher pour 3 produits beauté. Moi du coup je voulais répondre à ça en vidéo pour vous expliquer pourquoi moi je trouvais ça bien et pas si excessif que ça. Simplement parce que pour moi je paye pas 3 produits beauté, je paye aussi un service, des gens qui sont derrière, des créateurs, des personnes qui se donnent à fond. Enfin on sent qu'il y a des personnes derrière cette box qui donnent leurs idées et tout, et je paye pas seulement les produits de beauté qui sont à l'intérieur, parce que My Little Box n'est pas une box beauté mais c'est une box comme ils disent lifestyle. Donc c'est une box qui englobe plusieurs choses du quotidien pour nous, donc ça peut être des accessoires mode, justement des produits de beauté, des accessoires dans la vie de tous les jours qu'on pourra avoir besoin, plein de choses comme ça, des petites choses, des petites goodies et des machins, des petits trucs sympas. Donc voilà, moi je paye pas seulement 15,50€ pour 3 produits donc, mais pour un ensemble. Et maintenant je fais pas vraiment attention au prix, après je fais attention à ce qu'il y a dedans et la qualité des produits, mais après je trouve 15,50€ ça va, c'est pas trop excessif, parce que pour moi quand on va dans un magasin, quand on achète pour 15,50€, on n'a pas forcément tout le temps 3 produits, enfin 3 produits pour 15€, on peut certainement acheter des fois qu'un seul produit, ça dépend après ce que vous achetez et où vous allez l'acheter. Donc voilà, parce que moi je trouve ça quand même mieux que payer 13€ pour avoir 5 échantillons. Voilà, je trouve ça quand même plus correct que les autres box beauté. Donc c'est sûr que celles qui aiment les box beauté et qui ne veulent que des produits de beauté dedans seront forcément un peu déçues par My Little Box, parce qu'elles n'englobent pas que des produits de beauté dedans. Donc voilà, c'était ma petite explication par rapport à ça, pourquoi moi j'aime ce concept là. Et donc maintenant je vais vous présenter la box. Donc alors elle se présente comme ceci, elle est assez lourde dedans, c'est vrai qu'elle est assez lourde. Il y a un produit, un gros produit dedans qui pèse pas mal. Donc tout d'abord on a une petite carte comme ceci, donc qui nous dit que un baiser est une gourmandise qui ne fait pas grossir. C'est une phrase de Marilyn Monroe. Ensuite on a un magazine qui est comme ceci, qui s'intitule My Little World. Donc c'est un nouveau magazine qu'ils vont nous proposer. Ça parle donc du thème de la box, et aussi ça englobe d'autres choses comme des articles de blogueuses qui sont du monde entier en fait, qui sont traduits, et donc on peut nous les lire aussi, et ça nous fait découvrir de nouvelles personnes, etc. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Donc voilà. Ensuite donc la première petite goodies, c'est presque inutile mais c'est mignon, c'est sympa, c'est bien pensé. C'est voilà, donc eux ils appellent ça des étiquettes à coller dans les chemises de votre mec. Donc voilà, c'est des petites étiquettes comme ceci qu'on colle au fer à repasser, et on a plusieurs phrases. Et voilà, c'est sympa dans l'idée, c'est mignon. Moi je pense pas le faire, mais franchement c'est mignon, c'est sympa. Et ensuite le deuxième petit goodies, accessoire, mode ou comment trop l'appeler, c'est cette petite chose qui est dans un pochon. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une petite culotte, donc voilà, elle est comme ceci, donc elle est voilà, toute noire, noire résille avec des petits points noirs, et donc avec des nœuds qui permettent de resserrer à la bonne taille. Et donc voilà, wow, c'est sympa, c'est mignon, c'est classique on va dire dans le genre, je pense que tout le monde peut porter ce genre de petites choses, et voilà, c'est vraiment, ça c'est sympa. C'est vrai qu'on s'y attend pas quand on ouvre la boîte, on pense pas qu'ils nous auront glissé dedans des sous-vêtements, mais c'est vraiment sympa. Et ensuite on passe directement aux deux produits beauté. Parce que dans cette box il n'y a que deux produits de beauté ce mois-ci. Donc ils sont dans un petit pochon toujours.
Le premier produit, donc c'est un beurre corporel de chez The Body Shop, donc c'est celui à la fraise, et c'est le beurre corporel de 200 ml, donc c'est celui qui vaut 16 € en magasin. Bon, actuellement il est en solde à 8 €, mais quand même c'est déjà un beau produit pour nous consommatrices. Des fois on n'a peut-être pas l'occasion d'acheter ces produits là et je trouve ça plutôt sympa, surtout que j'aime bien cette marque et j'utilise de bons produits. Donc voilà, le premier. Et ensuite le deuxième, c'est un gommage pour le corps au miel. Donc c'est le produit My Little Beauty. Donc voilà, le packaging est sympa, c'est mignon, petites abeilles, tout ça. Après moi j'aime pas trop le miel en fait, j'ai horreur de ça. Mais après comme c'est un produit pour le corps, je me dis que l'odeur va pas tenir et que voilà, ça va, c'est pas trop grave. Et donc voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la box. C'est vrai qu'elle est un petit peu moins fournie que la précédente. Mais bon, je trouve ça toujours aussi sympa. Je reste abonnée. J'aime beaucoup ce concept-là, comme je disais au début de la vidéo. Et donc voilà, bientôt à venir sur ma chaîne, il y aura, je pense, je vais vous faire un nouveau Get Ready With Me. Et aussi un haul, parce que j'ai acheté 2-3 petites choses pendant les soldes. Enfin, j'ai pas acheté grand chose, mais j'ai acheté 2-3 petites choses et j'ai vraiment envie de vous les montrer. Donc voilà, c'est tout. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée. Enfin, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et donc voilà, bisous, salut.